Le film est sur le point de commencer, et Nadine n'est pas encore venue. Je dois l'appeler. C'est maintenant que tu viens? Pardon, je sais, je suis un peu en retard. Un peu? Tu as 1 heure de retard. 1 heure, c'est peu pour toi? Tu aurais dû venir 2 heures plus tard. Je m'excuse. Je sais qu'en ce moment, tu es en colère contre moi. Mais crois-moi, je ne l'ai pas fait exprès. Ça fait 1 heure que je t'attends. Je t'ai appelé plusieurs fois, mais tu n'as pas répondu. Mais, où tu étais? J'étais en train de conduire la voiture, c'est pour cela que je n'ai pas répondu. Ah bon? Et comment ça se fait que tu sois en retard? Je suis sortie du bureau à 17 h, comme convenu, mais il y avait un embouteillage. J'ai pris la même route, et il n'y avait aucun embouteillage. Mais si, sur la route 42. Arrête d'inventer des histoires. Je t'assure que non. Il y avait un accident. Alors, la circulation a été arrêtée. La police avait encerclé le périmètre pendant quelque temps. C'est difficile pour moi de te croire parce que tu es toujours en retard. Cette fois, ce n'est pas ma faute. Et malgré ça, je te demande pardon. Bon, maintenant, allons regarder le film que tu as choisi. Mais quel film? La séance est presque terminée. Ce n'est pas grave. Il y a une autre séance. Je vais nous acheter 2 tickets. Non, je ne veux plus regarder de film. Tu peux bouder plus tard. Maintenant, nous devons acheter les tickets. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment puis-je vous aider? Hier, j'ai acheté un CD pour mon ami, à l'occasion de son anniversaire. Et j'ai découvert, il avait le même. Alors, est-ce qu'il est possible de faire un échange? Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez votre ticket de caisse? Attendez une seconde, je vais le chercher dans mon portefeuille. Je n'arrive pas à le trouver. Je pense que je l'ai perdu. Je suis vraiment navré monsieur, mais, dans ce cas, vous ne pouvez pas faire d'échange. Mais pourquoi, si je vous dis que je l'ai acheté de votre magasin? D'ailleurs, c'est vous-même qui m'avez vendu le CD. Oui, je me rappelle de vous, mais je suis désolé monsieur, sans ticket, Vous ne pouvez pas faire d'échange. Attendez. Je viens de trouver mon ticket de carte bleue. Est-ce que ça peut aller? Bon d'accord. Mais, à l'avenir, veuillez garder votre ticket de caisse, pour pouvoir faire un échange, ou bénéficier d'un remboursement. D'accord, c'est compris. Est-ce que vous pouvez me recommander un chanteur? Oui bien sûr. Le nouvel album de Kendji Girac vient de sortir. Et il est déjà un grand succès. Il ne nous reste que quelques copies. Ah bon? Je ne le savais pas. Par exemple, son titre, évidemment, est classé en 2e position. Si vous le dites. Bon alors, je vais le prendre. D'accord. Tenez monsieur. Et gardez le ticket, au cas où votre ami n'aime pas le CD, vous pourrez changer sans problème. Bien. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. De rien. Passez une bonne journée. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah.